Bonjour tout le monde, vous tombez bien, je suis en train d'allumer le barbecue. On va se faire une dorade royale grillée, s'il vous plaît, avec des légumes d'été. Alors un petit allume-feu naturel et hop, quand c'est parti, par-dessus les briquettes. Dans la cheminée d'allumage, ça va hyper vite, vous comptez 20 minutes. L'été, c'est la saison des barbecues, mais aussi celle des tomates. Alors en voici une, regardez, que je coupe en quartier. Un petit peu de sel pour la faire dégorger, le temps de cuire notre poisson et nos légumes. Une courgette que je taille en morceaux, le poivron coupé en morceaux et je les arrose d'huile d'olive. L'idée, c'est de donner du moelleux à notre dorade. Alors je fais une farce, regardez, toute simple, à base de pain de mie rassis, un peu de sauce soja, quelques zestes de citron vert et je presse le jus. Et pour lui donner de la fraîcheur, les tiges d'un oignon nouveau juste ciselé et du thym. Quelques pignons de pin pour le croquant et je mélange. Une belle dorade royale, bien généreuse. On la reconnaît, hein, la dorade royale, avec sa barre comme ça entre les deux yeux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à farcir. Du sel et un petit bain d'huile d'olive. La dorade, juste vidée mais pas écaillée, comme ça on aura une belle coque qui la protégera à la cuisson. Et pour que ce soit facile à cuisiner, j'enferme ma dorade dans une double grille. C'est parti pour la cuisson, en feu direct sur les braises et les légumes tout autour. En route pour 12 minutes de cuisson de chaque côté de la dorade et pensez à bien retourner les légumes aussi. La dorade est bien grillée, brillante comme il faut, ça embaume en plus, il n'y a plus qu'à dresser. Je termine avec ma salade de tomates, comme ça on va jouer le contraste cuit et cru. Vous avez vu, hein, il n'y a pas que les viandes rouges qui se font griller au barbecue, alors pensez bien à mélanger la farce avec sa sauce soja à l'intérieur, ça donnera une petite note asiatique à notre dorade. Un beau poisson à chair blanche. Bon app' !